got what you need. C'est Reza, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gens, on est là pour ma vidéo setup. Ouais, ouais. Donc on va commencer direct avec les composants du PC, tout, et après on s'attaquera ça, bref. Donc là dans le PC nous avons une carte mère de chez MSI, hein, la H110M Pro D. Pour la carte graphique, nous avons une Gigabyte GeForce GTX 1050, 2 Go. Voilà. Là, dans le PC, nous avons aussi 8 Go de RAM Crucial. Voilà. L'alimentation, c'est une VS450 de Corsair. Là, on a des figurines pop. ici, on a dans le PC aussi un Intel Core i3. De chez Intel, voilà, et là c'est les petites figurines tranquillement dans les étagères. Voilà, après on attaque avec un tapis de souris offert par un ami. Donc voilà, la souris offerte par mon ami, casque Logitech G430, ça la mèche, salut. Voilà, ça c'est juste un chargeur de PC portable universel. Un bras de chez Foxonovo, je sais pas comment on dit. Un clavier de chez G-Lab. Faut dire, c'est très très cool parce que bim. Alors on a une manette free, un beurre du M1 en micro. Ah, il est beau. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour, ce qui est tubes, composants, voilà. Donc là on attaque avec l'endroit mécanique, avec plein d'écrans, plein de PC, deux PC, voilà, un clavier, bref. Et là on s'attaque. Ah, je brade la cristalline là. Hop là. Cristalline, c'est mon œuvre. Lol. Mais t'avais dit qu'on fera des claquis. Donc on va s'attaquer maintenant à la partie setup, la setup, le setup. Donc ici nous avons notre micro qui est... Voilà, j'adore ce type de micro, on revisse un peu parce que des fois il se dévisse. On a ici un tapis de souris Steel Series offert par mon ami aussi, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Un clavier G-Lab. Voilà, G-Lab c'est très cool, de toute façon je vous mettrai toutes les références dans la description, où l'acheter et tout. Ici, on a la souris offerte par mon ami aussi de chez Maxel. Un tapis de souris, voilà, XL, hein, je voulais prendre un grand. Plus un petit tapis de souris là-bas, au cas où c'est ma souris déborde. Voilà, pour les écrans, le casque, c'est pareil, hein, c'est Logitech. Voilà. Et bien sûr, la spinner. Alors. Donc pour l'écran, c'est tous les 2D, si je me rappelle pas du... enfin si je me rappelle, des 1920, je pense, ou du 1080, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est assez grand, j'aime bien, deux écrans ça suffit largement. Donc là c'est un HP, je sais pas si vous voyez, un HP 22KD, enfin 22 pouces je crois, je sais plus. Bref, sinon je mettrai tout dans la description. Là c'est pareil que l'ancien, une LG, une télé en fait, je peux télé, puis je fais, oh, putain, ça fait un bon écran ça. Après on a aussi le PC. Le PC c'est de chez qui, si on voit très bien. Le Color Master. Le... je sais plus là. Enfin, bref, de toute façon je pèse pas tout. Est-ce que je vous montre la taille? Allez, je vous montre l'intérieur, je suis gentil.
finir, enfin, avant de finir le setup, donc là, c'est les LED. Ceux-là, ouais, je suis en dessous du bureau. C'est ceux-là. Des rubans LED. Voilà, c'est, ça colle et tout, c'est très très bien. Je vais décaler un peu le PC. Hop là. Et normalement, là, vous voyez, un peu mieux. Oui. Et... je sais pas si on voit bien. Bon, bref, là, c'est, une... c'est la ligne. Hein. C'est moi qui ai monté le PC tout seul. Ah, je me suis dit, ouais, il faut rire. Je vais monter le PC. Carte graphique. Disque dur. Bon, on voit pas super, super bien. Hein. Je peux pas faire mieux que ça. Bref. On va... je vais faire une ellipse et puis je vous retrouve le cadre management. Voilà, bref. Allez. Bon, bref, je pense qu'on a fini la vidéo du setup. Je vais terminer quelques trucs, c'est-à-dire... attendez, parce que je suis sur le deuxième écran. Voilà. On va terminer sur les jeux que je joue en ce moment. Je sais pas si ça intéresse grand monde, mais bref. Donc, piouf. On fait un petit zoom. Garry's Mod, Mirror Edge, Last Man, Counter-Strike, Brawler, Paladin, Rocket League, Tom Clancy, Rainbow Siege, FTB Launcher, Arc, Technique Launcher, Minecraft, Java, Minecraft, Steam, Boost. Et bien sûr, j'en oublie un. Hop là. Assassin's Creed Syndicate. Voilà. On va terminer sur les LED. Parce que les LED c'est cool, on va remettre ça comme avant, voilà. Donc les LED c'est des, je sais pas ce que c'est juste que c'est joli, c'est avec une petite télécommande comme ça, puis là on peut changer, on peut faire ça même. Piu, 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 piu. Ah bon, on peut faire ça, flash, fade, ça met toutes les couleurs. Voilà, on va terminer là-dessus. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Non, je regarde là, hein. Mon micro il marche pas avec celui-là pour l'instant. Je vous laisse, c'était Ruzo. Bye bye.